Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est Flair42, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate. Écoutez, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue sur la chaîne de l'Obscur Clan. Vous êtes en ma compagnie, excusez-moi, pour cette nouvelle vidéo. Juste avant les gars, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube qui sera bien évidemment en description, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur cette vidéo, il n'y a pas de player puisque c'est tout simplement un gameplay d'un américain. Enfin, je crois que c'est un américain. Donc, on va en parler juste après. Donc, vous aurez que ma chaîne en description. Allez checker. Et peut-être aussi la chaîne de la personne, de l'auteur du gameplay, tout simplement, qui sera en description. Donc, ça me ferait super plaisir si vous allez checker ma chaîne. Bref, donc, sur cette vidéo, je vais tout simplement aujourd'hui vous montrer plutôt un gameplay qui me désespère totalement. Vous allez le voir. Donc, regardez sur votre écran. On voit justement une personne, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas c'est qui, je sais pas si c'est un américain, un français, un allemand, enfin bref, c'est pas important. L'essentiel c'est le gameplay et justement ce que je veux vous dire sur cette vidéo et également votre avis. Donc sur cette vidéo on voit une personne qui est clairement avec un mode menu sur Black Ops 3. Donc je sais, il y en a qui ont mal vu le gameplay encore et qui vont me dire ouais mais ça existe pas un mode menu sur Black Ops 3 PS4, c'est pas sur PS4, c'est sur PS3. Je pense qu'on le reconnaît facilement au graphisme, etc. au gameplay tout simplement. Donc vous allez me dire ok, la mode menu et alors? Bon, certes maintenant je pense sur Call of Duty les modes menu ça choque plus personne, mais clairement il faut vraiment y faire quelque chose parce que il y a vraiment des gens qui jouent dans les règles, on va dire dans les lois entre guillemets de Call of Duty, et d'autres personnes qui se permettent justement de faire ce genre de choses. Bon, je ne suis pas totalement contre. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut être amusant, mais bien sûr faites ça toujours en partie privée. N'allez pas faire chier en ligne à avoir ah oui voilà, des god mode, etc. Je sais tous, enfin dites-moi pas le contraire, en tout cas pour tous ceux qui ont joué à Black Ops à MW3, je pense que vous êtes tous déjà tombés sur une personne qui est invincible, invisible, etc. Enfin ça c'est vraiment un truc obligé sur MW3, excusez-moi. Donc vraiment c'est injouable. Enfin ce que je veux dire c'est que imaginez sur Black Ops 3, là on voit le mec clairement, le mec sur le gameplay il voit tout, il voit à travers, etc. Donc il a clairement il est très 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 avantagé comparé justement à l'ennemi, puisque il voit l'ennemi déjà bah quand il marche, il voit tout le temps les ennemis, donc ils savent où ils se dirigent, il peut les attendre tout simplement en visant, il peut tout faire, et l'ennemi lui bah il va pas se rendre compte de ce qui se passe, etc. Mais je pense, enfin je pense, je suis même sûr que quand vous aurez justement une personne qui a un mode menu ou quoi en face de vous, je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Et le pire dans tout ça c'est que la personne en question que vous allez voir, le gameplay que je vous mets, non seulement le mec a un mode menu, mais en plus de ça pour prouver qu'il est tellement nul, il arrive quand même à se faire tuer. Alors imaginez, vous avez un mode menu, vous voyez derrière les murs, vous voyez tout, et vous arrivez quand même à vous faire tuer. Donc c'est quand même assez violent quand même. Donc n'hésitez surtout pas justement à me donner votre avis dans les commentaires. C'est pas parce que moi je vous dis que je suis contre le mode menu en ligne que vous devez me dire pareil. Si vous avez, enfin si vous voulez, si vous-même d'ailleurs vous jouez avec un mode menu sur Black Ops 3 PS3, eh bien bah n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, etc. Mais sachez une chose, c'est que imaginez, mettez-vous un peu à la place des gens. Imaginez vous êtes en série de 20 et là d'un coup vous faites tuer par un mec qui a un mode menu parce qu'il voit à travers les murs. Bon sur Black Ops 3 je sais pas, je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas possible de se mettre invisible et invincible avec un mode menu. Enfin je sais pas, je crois, j'en ai pas plus d'informations. Moi je suis pas trop basé sur les modes menus, etc. Mais en tout cas je crois que c'est pas possible de se mettre invisible et invincible. Mais en tout cas si c'est possible c'est vraiment encore plus la catastrophe, puisque tirer sur un mec c'est pas amusant quand il est invincible ou même invisible. Moi je me rappelle sur MW3 j'avais vraiment des mauvais souvenirs. Des gens ils me tuaient de côté, ils me tuaient par derrière. Et en plus ils se croient vraiment, le truc c'est que les gens se croient forts. Et le pire dans tout ça c'est que Triarch, ils vont pas aller les ban ou quoi. Ils vont, je sais pas, ils font rien, il faut les bannir les gars. La seule chose qui s'occupe Triarch c'est tout simplement des nouvelles consoles. Clairement ils s'occupent des next gen, et les old gen ils les ont laissés de côté. Et clairement maintenant les gens ont tous des modes menu sur Black Ops 3 PS3, en tout cas sur old gen comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment embêtant tout simplement, pour rester poli. Mais pour revenir à ce que je vous disais, Triarch, excusez-moi, eux s'occupent de ban des gens qui ont des emblèmes, enfin bref, qui ont des emblèmes pourris, etc. ou qui sont pas dans les règlements, au lieu de ban des gens qui ont des modes menu, qui c'est vraiment plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. J'espère que cette vidéo sur l'Obscur Clan ma compagnie vous aura fait plaisir. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, allez ciao.